制裁呢？我们知道，即使在疫情最严重的时候，美国对伊朗的制裁并没有放松。我们看到报道说，一些伊朗的病人，甚至是癌症病人，都没有办法买到一些相关的进口药，而且伊朗没有办法从一些国家进口疫苗。美国还阻挠了伊朗向 IMF 提出的50亿美元的贷款申请。美国制裁这个概念，其实很多人可能都听过，但是具体到伊朗，具体到每一个伊朗人的生活，总统先生，美国制裁到底意味着什么？Le but des sanctions illégales imposées par les États-Unis est d'exercer une pression maximale sur l'Iran en échange de concessions de l'Iran sur des objectifs à long terme. Les sanctions sont un outil de coercition, tout comme la force militaire utilisée contre l'Iran dans le passé, mais maintenant on les appelle plutôt des sanctions. Essentiellement, c'est aussi une forme de guerre. La seule différence est que la méthode est passée de la force militaire aux sanctions. Les sanctions sont incroyablement cruelles. Comme vous l'avez dit, les médicaments essentiels dont les patients ont besoin, y compris les traitements destinés aux enfants atteints d'épidermolyse bulleuse, ont été ajoutés à la liste des articles sous sanctions au détriment de l'Iran. Cela a causé d'immenses souffrances aux patients et à leurs familles. Ils ont également sanctionné les vaccins contre la COVID-19. Lorsque j'ai rencontré le secrétaire général des Nations Unies à New York, je lui ai soulevé cette question et il s'est excusé en disant que malgré tous ses efforts, il n'avait pas réussi à convaincre les États-Unis de lever l'interdiction d'exporter des vaccins vers l'Iran.